proposé de participer au premier salon du livre de Grigny. J'ai tout de suite dit oui, pourquoi? Parce que dans les infos, quand on entend parler de Grigny, c'est certainement pas pour des bouquins, certainement pas pour de la culture, certainement pas pour de la littérature. Donc ma littérature, ça a changé ma vie. Donc si par des initiatives comme ça, je peux rencontrer des jeunes de quartier, susciter en eux juste le fait de voir les choses autrement, de se dire tiens, moi aussi je peux aimer des bouquins, bah, moi aussi je peux écrire, moi ça et tout. Je me suis dit, okay, je me suis dit de faire un salon du livre à l'intérieur d'une cité, d'un quartier qui est hyper mal vu en plus, le quartier de la Grande Borne. Je trouvais l'idée extraordinaire, ça permet de casser tous les clichés et ça surtout permet d'aller là où les gens ne les attendent pas forcément. Ils auraient pu organiser un tournoi de foot, ils auraient pu faire un concert de rap, ils auraient eu toutes les aides de la mairie. Apparemment, ça n'a pas été le cas, il y a eu un couac, ils auraient dû avoir une grande salle. Ils n'ont pas eu une grande salle et pourtant ça a été un succès. Ça a pris contre-pied pas mal de clichés ou leur réussite, ou en tout cas l'expression de se faire à travers.